Hey, Madelot ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur une maison en bois sur Minecraft. Et comme d'habitude, à chaque début d'épisode, je donne les maisons des épisodes précédents, des différents tutoriels que j'ai fait sur la chaîne aux abonnés. Parce que voilà, je suis généreux. Et cette fois-ci, du coup, ça va être le tour de la grande maison qu'on avait fait l'autre coup en tutoriel. Qui va être donnée à l'un d'entre vous. Attention, roulement de tambour. Et hop! Donc, GG à Patrick Daria qui a gagné cette maison. Et donc, non des moindres d'ailleurs, hein, puisque c'est la plus grande maison que j'ai faite pour l'instant. Et donc, GG à lui. Je vous rappelle du coup que pour pouvoir gagner des maisons, comme celle que j'ai déjà donnée, voilà, toutes celles-là par exemple, eh bien, il faut mettre des commentaires et des pouces bleus à la vidéo. Comme ça, tout le monde est content. Et aussi, n'hésitez pas à... Enfin, je prendrai les commentaires qui ont le plus de likes, en fait, de pouces vers eux-mêmes, voilà. Donc, toutes les maisons que vous voyez ici, elles n'ont pas encore été données encore aux abonnés, hein, celle-là non plus. Bon, voilà, n'hésitez pas. Il y a encore de la place. Et évidemment, j'ai une deuxième maison à donner à côté de l'endroit où on va construire notre maison en tutoriel, qui va être l'une des autres maisons qu'on a fait aussi en tuto. Hop, on arrive sur le coin des maisons en bois. Et ça va être cette maison-là que je vais donner. Par contre, je tiens à préciser vite fait une chose. Je ne vais pas pouvoir prononcer à l'oral le pseudo du gars qui a gagné cette maison-là, parce que sinon je me fais censurer par YouTube. Donc, cette magnifique maison avec son escalier central, elle va être donnée, attention, roulement de tambour. Voilà. Magnifique pseudo, comme vous pouvez le constater. Donc, merci à vous deux pour vos commentaires et tout le reste. Cette fois-ci, du coup, on va s'atteler à faire ce tutoriel-là. Tutoriel de cette maison. Qui est pas mal. Moi, j'aime bien, honnêtement. Regardez-moi ça. Avec une grande terrasse sur le côté, avec des fenêtres qui sont obliques, avec une sorte de grand couvre-chef pour la route. Enfin, je sais pas si ça veut dire quelque chose que j'ai dit, mais vous comprenez l'idée. Donc voilà, une maison du coup qui est une reproduction d'une maison qui existe réellement. Et donc on va la commencer ici sur la parcelle d'à côté. Voilà, alors du coup, on va donc mettre une dalle, une grande dalle de pierre comme vous pouvez le voir. Elle va être, alors c'est là qu'il va falloir vérifier deux trucs. Il faut qu'elle soit à 3 blocs de la route. Ok, en question, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a un garage couvert par le toit de la maison, ok, ici, et donc, bah, si vous mettez une route qui est trop loin, bah, elle pourra pas être en dessous le toit. Donc voilà, il faut que votre maison soit à 3 blocs de la route, et donc sur la longueur, dans ce sens-là, on va mettre 27 blocs de longueur, ok, en pierre, et 23 blocs sur la largeur, ok. Donc voilà, après on couvre tout et ça nous donne une dalle en pierre comme on a ici. On va commencer à mettre les murs au niveau du sol à ce niveau-là. L'idée c'est qu'on va laisser, hop, une ligne comme ça de pierre sur tout le côté en fait de notre dalle et qu'on va venir faire les murs à l'intérieur. Donc on va faire une première grande ligne comme ça de bois sur tout le côté ici, hop, de notre plateforme, en laissant toujours une ligne de chaque côté évidemment de pierre. Dans ce sens-là, on va mettre 12 blocs de bois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, donc plus toute une ligne de bois dans ce sens-là. Voilà, hop. Et ici aussi, du coup, si j'arrive à cliquer où il faut. Ok, maintenant on regarde dans ce sens-là. On va laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs et au 8e on pose un bloc, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et au 8e on pose un bloc. Et normalement vous avez 11 blocs entre ces deux blocs là. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, donc ça c'est ok. Si vous avez 11 blocs, je vais vérifier juste une petite dimension. 2, 3, 4, 5, ok. Et donc on va prolonger ces murs là, qu'on a mis ici et là, de 1, 2, 3, 4, 5 blocs, ici comme ça, ok. Une fois qu'on a ça, on enlève le mur qu'il y a ici parce qu'il ne nous sert à rien, et on va monter tous les murs ici à 10 blocs de hauteur, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on monte tous les murs à 10 blocs,
Voilà, alors petite rectification par contre, la ligne à ce niveau-là, ok, la largeur de la maison, elle va être de 11 blocs et non pas de 12 comme j'avais dit, ok. Donc à partir de ça du coup, on va mettre des charpentes, on va mettre le toit directement, hein, c'est-à-dire qu'on va venir ici du coup rajouter des sortes de pyramides, vous voyez, de blocs comme ça. On va laisser juste un bloc sur le côté, puis après une marge de 2, une marge de 2 et un bloc au milieu. Et pareil en dessous du coup, ok, la même chose ici et on fera la même chose là-bas aussi, hop, donc voilà, hein, on laisse une marche ici, une marche de 2 et un au milieu tout au-dessus, voilà, la même chose ici et après on va pouvoir placer tous nos toits, parce qu'il y aura deux toits en fait, il y aura le toit à ce niveau-là plus le toit au niveau du bas, comme vous pouvez le voir là-bas. Ok, ça fait un peu comme si la maison avait une jupe en fait. Enfin bref, du coup, on va utiliser les dalles de briques et on va venir les mettre comme ça en fait sur notre charpente. Hop, 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 comme ça. Et on va les faire ressortir un petit peu, évidemment. Hop, voilà. Et on les fait ressortir du coup de la du toit. On les pose sur le toit et on les met demi-bloc par demi-bloc en fait. Hop, voilà. Etc, etc. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment recouvrir le toit comme ça de dalles. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir rajouter quelques petites finitions au niveau du toit. Etc, etc. Donc on fait tout le toit comme ça. Hop, alors du coup, voilà ce que ça donne. Hein. Un petit toit tout mignon comme on aime bien. Le truc évidemment c'est qu'on va venir prolonger cette partie là du toit, vous voyez, au-dessus de la route, hein, comme j'avais dit tout à l'heure. Et donc du coup ce qu'il va falloir faire c'est descendre les briques comme ça à 10 blocs de côté. C'est-à-dire qu'à voilà, partir du bord du mur ici on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs et on arrive à ce niveau là. Ok. Et du coup cette prolongation ici on va l'allonger sur tout le long du toit aussi. Et donc du coup une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir mettre de la charpente pour faire croire que le toit est soutenu par quelque chose. Donc du coup, l'idée c'est qu'on va venir, alors compter combien de blocs, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc c'est 6 blocs de hauteur pour la première charpente. L'idée c'est du coup, on va venir à ce niveau là, hein, compter au niveau du coin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de hauteur. Hop, un bloc décalé à l'intérieur ici. Et on va venir mettre une ligne de bois qui va coller jusqu'au bord de notre toit ici. Ok, donc on enlève toute cette partie là du toit et on va mettre des blocs à la place en bois du coup pour faire une charpente encore une fois. Alors on va mettre le repère de l'autre côté ici comme ça. Hop, vois-tu. Et on va rajouter du coup du bois sur toute la longueur pour faire des poutres, hein, tout simplement. Pour faire des poutres. Et qui dit poutre, ben dit barrière de bois de chêne pour pouvoir les soutenir. Donc du coup on va mettre des barrières à chaque extrémité. Un peu plus une barrière au milieu parce que c'est swag. Hop, voilà. Alors une barrière au milieu, elle est où le milieu déjà? Hop. 23 divisé par 2, ça fait 11, quelque chose comme ça. 11, 12. Hop. Ça doit être par ici, le milieu. Ok. Donc on rajoute un pilier au milieu aussi. Et du coup, on va aussi rajouter du coup avec des dalles de bois. Hop. Alors des dalles de bois. Comme ça. Hop. En dessous, le toit ici. Hop. Hop, comme ça, des dalles qui vont permettre de faire croire encore qu'il y a quelque chose qui soutient, hein, vous voyez, encore plus le toit. Hop, on va mettre aussi de l'autre côté. Hop, voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on n'a pas encore fini le toit, mais on va mettre des escaliers en bois. Alors vous allez comprendre pourquoi plus tard, dans la longueur ici, comme ça. Hop. Alors ici dans le coin on va plutôt mettre un bloc complet comme ça, on va mettre des blocs ici aussi dans la lignée du mur, hop, hop comme ça, et ainsi que à 1, 2, 3, 4 blocs
de large par rapport à ici. Ok? Là, on va mettre des blocs complets. 1, 2, 3, 4. Pouf. Et entre tous ces blocs-là, on va rajouter des escaliers en bois à l'envers, vous voyez, pour faire un peu une rambarde, une barrière à la terrasse de la maison. Ok? Youp, donc on fait ça comme ça. Voilà. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a ça, ça va nous servir de support pour la deuxième partie du toit, en fait. L'idée, du coup, c'est qu'on va rajouter des barrières de bois, hop, ici comme ça. Hop, au niveau des blocs qu'on a mis tout à l'heure. Hop, hop, deux barrières à chaque fois. Et on va venir poser le toit par-dessus. L'idée, c'est que du coup, on va rajouter des dalles de briques par-dessus ces piliers qu'on vient de mettre ici, comme ça. Donc à partir de là jusque hop là-bas, et on va venir, si j'arrive à pas cliquer n'importe où, voilà, monter comme ça jusqu'à arriver normalement aligné avec le centre de notre toit et ce niveau-là. Hop, on monte comme ça, et normalement vous voyez là ça va être la forme du toit qu'on va faire. Et du coup, bah, toute cette forme-là de toit ici, on va la prolonger pour qu'elle soit collée contre la maison. Et voilà donc la bête. Et ça commence à prendre forme à notre histoire quand même. Ça commence à sentir bon. Du coup, l'idée c'est qu'on va venir rajouter des blocs par-dessus les piliers qui restent. On va enlever la partie ici du toit. Et on va venir mettre une poutre en fait tout simplement autour de cette partie-là du toit. Ok? Donc du coup, on va aussi la rajouter sur la longueur. Hop. Et alors ici, du coup, on est où? Et on est là. Ok. Voilà, donc on rajoute une poutre comme ça. C'est plutôt sympathique. L'idée, c'est qu'on va aussi rajouter des dalles de bois pour faire de la charpente comme pour l'autre côté de la maison, hein. Hop, on rajoute des dalles ici. Et ici, du coup, comme ça. Alors, paf, 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 parce que comme il y a des dalles aussi en briques, bah du coup ça ne se colle pas avec les dalles en bois, ce qui est dommage. Hop, hop, hop. Après, vous inquiétez pas, pour l'instant c'est moche, mais on va recouvrir tout ça avec de la dalle après. Vous voyez là, pour l'instant on fait juste une charpente comme ça. Ok, on va aussi utiliser des barrières pour faire un espèce de pilier central comme ça. Tant qu'à faire, on va aussi prolonger le pilier en dessous. Avec un bloc, ça fera mieux. Ok, par-dessus tout ça, du coup, pour que ça rende joli, on va rajouter des dalles de briques, hop, comme ça sur toute la longueur. Voilà, ça rendra plus sympa. Hop, et vous voyez que du coup, bah, ça rend quand même vachement mieux, hein, comme ça, il n'y a pas photo. Alors maintenant qu'on a fait ça, l'idée c'est qu'on va venir recouvrir tous les bords, enfin les bords du toit avec de la dalle de quartz. Donc la dalle blanche, ok, pour pouvoir donner un contraste au niveau de la couleur. Hein, je vous remonte ce que ça donne sur le modèle, ce que j'ai fait, mais ça rend bien. Hein. Moi j'aime beaucoup cette maison-là, elle est très stylée. Donc voilà, on va rajouter les dalles de quartz tout simplement autour, voilà, de notre toit. Et hop, c'est pas merveilleux cette histoire. Alors, du coup maintenant, ce qu'on va faire, c'est un peu au niveau de l'intérieur, on va, au niveau de la terrasse en tout cas, utiliser des dalles de chêne. Ok, on va venir creuser sur deux blocs à ce niveau-là, au niveau des entrées en fait. On va venir rajouter des dalles de chêne ici comme ça. Ok, et une troisième marche par-dessus tout ça. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va recouvrir tout le sol ici en pierre avec des dalles de bois comme ça, tout simplement. Ok, voilà, on fait ça sur toute la surface de la terrasse, de chaque côté de la maison. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, l'idée c'est on fera les fenêtres. Voilà, donc je remplis tout le reste de la surface. Et voilà pour le petit parquet. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi fait à l'intérieur de la maison et j'ai placé 2-3 fenêtres pour dans l'élan, tu vois. Paf! Allez. Du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les ouvertures au niveau de notre terrasse à ce niveau-là pour pouvoir rentrer dans la maison, ce qui est plus pratique, tu me diras. Alors, on va laisser deux blocs de chaque côté du mur ici et là, et hop, à partir. On va laisser la ligne du milieu, en fait, ok, et on va juste faire, voilà, deux grandes ouvertures comme ça, en laissant des blocs pour les coins. Vous comprendrez vite fait pourquoi.
on enlève le bas aussi avec des dalles. Et du coup, là, ça va être en fait pour pouvoir épouser un petit peu la forme du toit au-dessus, ok? La forme des portes, du coup. Et l'idée, c'est qu'on va venir utiliser des dalles de bois de sapin et on va venir les mettre comme ceci. Vous voyez, comme ça. Hop, hop et hop. Et comme ça, en fait, ça nous donne la même forme que le toit au-dessus. Ça va être plus prononcé sur les autres vitres, vous allez voir ça. L'idée, du coup, bon, on va juste rajouter les fenêtres hein, quand même, parce que ça serait plus pratique. Alors, il faut que ce soit des portes-fenêtres, hein, donc on va laisser les deux premiers blocs de hauteur de libre. Voilà, des choses magnifiques comme ça. Du coup, on va aussi rajouter une fenêtre ici. Ouais, allez, 3 sur 3, la fenêtre, la même chose de l'autre côté. Ici, on n'en rajoute pas. Hop. Et ici, du coup, sur la façade, c'est là où on va vraiment mettre les grandes fenêtres, les trucs un peu sympas de la maison. Alors, on va laisser deux blocs sur le côté. Ok. Quatre blocs de haut sur trois blocs de large. On laisse la grande ligne de bois au plein milieu de la façade. Donc, ça, c'est pour le premier étage. Pour le deuxième étage, du coup, on laisse deux blocs avec avec les fenêtres du dessous. Et on laisse des coins comme ça sur les côtés, encore une fois, pour pouvoir mettre des blocs comme ça de bois de sapin en dessous et au-dessus. Et vous allez voir que en gros, ça épouse un peu la forme du toit au-dessus. Vous voyez? Ça donne l'impression, du coup, avec ce type de fenêtre, ça marche mieux peut-être avec le modèle fini. Avec ce type de fenêtre-là, en fait, on a l'impression que la pièce du deuxième étage est directement sous le toit, en fait. Ça donne cette indication-là. Et donc, du coup, on a déjà une indication, rien qu'en regardant la façade de la maison, que à l'intérieur de la maison, eh bien, on pourra voir au deuxième étage toutes les charpentes, tout le toit directement, quoi. Et donc, ça, c'est une indication qui m'a bien plu, en fait, dans cette maison-là. Et donc, du coup, c'est en partie pour ça que j'ai voulu la refaire. Hop, du coup on rajoute des dalles de sapin en dessous et en dessous, au-dessus et en dessous de chaque fenêtre comme ça pour que ça fasse stylé. Évidemment, on va rajouter des vitres à l'intérieur. Là-dessus, du coup, sur cette partie-là de la maison, on va juste rajouter une entrée à ce niveau-là pour pouvoir entrer, comme le nom l'indique. Et puis voilà, on va rajouter des portes peut-être. Ça fait mieux des portes. Hop, voilà, avec peut-être des vitres, hop, ici au-dessus. Alors, ici sur le côté, on va juste faire des fenêtres du coup de 3 blocs par 4, ok, donc comme pour le premier étage là-bas. Hein. La même chose, on en met 3 sur la longueur. Du coup, 2 blocs au-dessus, on va rajouter les fenêtres là où il y a la place, hein, comme ça. Ok, donc on fera la même chose de l'autre côté. On va rajouter du coup au niveau du deuxième étage ici des fenêtres. Donc à ce niveau-là, ok. Ainsi que ici, donc de 3 blocs de large. On va rajouter des vitres comme ça directement. De l'autre côté, on fera aussi, hein. Et du coup, on va rajouter des dalles de sapin, hop, directement sur le haut des vitres, comme ça. Parce qu'on ne peut pas les plaquer au-dessus, en fait, comme ce sont des dalles de comment on appelle ça? Ah si, tiens. Enfin bref. Du coup, on fait ça comme ça. Voilà, ça fait plus joli. Du coup, voilà, donc tous les vitres ici, on rajoute des vitres. Toutes les fenêtres ici, pardon, on rajoute des vitres dessus. Et voilà, ça commence vraiment à sentir bon cette maison, hein. Alors du coup, maintenant, on va aller à l'intérieur. Ah bah tiens, j'ai oublié les vitres. Ah bon, bref. Alors, du coup, on va aller à l'intérieur à ce niveau-là, par exemple, et on va venir mettre une cheminée, voilà, et un gros conduit de cheminée, hop, qui va se mettre dans le sol. Alors, évidemment, je préviens peut-être pour ceux qui veulent faire des maisons en solo, en survival, pardon, faites gaffe à la cheminée, du coup, parce que si vous la faites mal, ben, la maison est en bois, hein, voilà, vous êtes prévenus, hop. Donc évidemment, le bois, ça fait de la fumée. Hop. Donc voilà, on l'a fait prolonger du toit ici comme ça, et au-dessus de la cheminée, on va rajouter des escaliers en grès à l'envers pour faire le dessus de la cheminée.
Et puis voilà, en fait tout le reste du coup de la maison va être des finitions. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le modèle, hein, véritablement. Alors j'ai rajouté des feuilles comme ça, vous voyez, directement sur la surface de la façade de la maison. Comme ça, donc ça rend plutôt sympa, ça donne un petit peu de vie à la maison. Ok. Du coup un petit chemin aussi en bois qui fait le tour comme ça de la terrasse. Ok, en laissant une ligne d'herbe comme ça. Par rapport à la maison. Ce qui nous laisse du coup le luxe de mettre des fleurs comme ça de part et d'autre un petit peu partout. Ce qui rajoute encore une fois un petit peu de vie à la maison, ce qui est sympathique. Ok. Voilà, me semble-t-il que c'est à peu près tout au niveau de cette maison. Ce que je voulais vous montrer. Voilà. Elle est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Moi j'aime vraiment bien. Du coup, voilà, petite précision, je vais arrêter de dire voilà. J'ai aussi rajouté une cabane dans les arbres à ce niveau-là. C'était un ancien tutoriel en fait, un tutoriel que j'ai fait il y a quelques jours sur, sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. Et ça rajoute un petit peu du coup de vie à la parcelle de la maison aussi, vous voyez? Et comme la parcelle ici elle est assez grande, on pourrait même rajouter un espèce de petit port personnel, tu vois, une espèce de quai en bois avec un bateau, avec plein d'arbres. Non, vraiment, il y a de quoi faire hein, avec ce style de maison, avec ce genre de parcelles. Et donc, voilà. On se retrouve peut-être la prochaine fois pour la prochaine maison qui ira ici, donc. Là-bas, il y a déjà la cabane, comme vous pouvez le voir. Mais il y aura quand même une maison ici aussi. Et donc, l'un d'entre vous, je le rappelle, va gagner cette maison-là et sera propriétaire de cette maison à titre... voilà. Propriétaire tout simplement de la maison. Et donc pour ça, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à la vidéo et des commentaires. Voilà. Sur ce, merci à tous, bon vent matelot, et à la prochaine!